[Speaker لكن زيركي ذاك اليوغا جالن ون يالا ناكيكيس ثثلاثين تيمات سي إيناس ثم زيرث [Speaker B ون سماه جارسن الى وغروم نيح قارنا فيون لو بان دي كومبو كان يوغا ضانيا إغذنت للي لي سونتر دو لا ليبرتي دويع ضحكوفلاسن سورا كان اكن ضان يوغا ريون من قاص فرانسيس انيسي

يغد اذ أه... لي سكي راسيني اكمتنا اكسيل لا سينير ازول فلاك ازول فلاك يمكنني أه... أن أشد بون الأول هاو إجمثنا أه... أكسيل أزنجين ستموس نتقديم في تزوارا نشكور ذوين نكني ندي تشجيع عن إسقوة سنين مزوارا وذاك ذي كندا سخلاف تمازيغت إتشجاد كي كي

c'est ma qui est c'est comment dire C'est notre mémoire collective, tu vois. Même si est cabils, euh, moi, j'ai découvert ma tubuloness alors que j'étais au collège. Donc, euh, je l'ai écouté et depuis, depuis que je l'ai écouté pour la première fois, c'était euh, la cassette euh, Ironie de soeur. Mm -hmm. Donc, sorti après la, la première tentative d'assassinat, le 9 octobre 1988, euh, à Michelet. Donc, depuis ce jour-là, je me suis intéressé à ce chanteur. Donc, euh, au fil des années, après, il euh, y a, après, y a son, son enlèvement et son assassinat par la suite, comme tout le monde le sait. Et euh, Mathieu, ce n'est pas, pas un poète normal, ce n'est pas un poète ordinaire, ce n'est pas un chanteur ordinaire. C'est... C'est une icône, un symbole de tous les, les, les images à travers l'Afrique du Nord, pas uniquement hein, pour la Kabylie. Donc, euh, le projet pour faire un documentaire a commencé par euh, une, euh, un essai de documentation vidéo euh, de témoignage. Donc, j'ai demandé à des amis, à des gens qui l'ont connu, euh, alors qu'il était vivant, de témoigner. Donc, à un moment donné, j'étais je me trouvais avec une dizaine d'heures. Des euh, gens, j'y veux par exemple des personnes pleurer en parlant de lui. Mmh. Et je les ai filmés. À un moment donné, euh, j'ai parlé avec deux amis, deux grands amis. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un fonds documentaire énorme, il faut que je l'exploite. Et la meilleure façon de faire, c'est qu'est-ce que vous, vous, vous pensez de faire un documentaire sur ça On m'a dit que c'est une très bonne idée. Donc c'est comme ça que le projet euh, est inné. Donc, c'est pour extraire le mieux, le meilleur de ces interviews et le montrer. Tout en retraçant, bien sûr, le parcours de l'UNES et en permettant à des gens, parfois anonymes, de rendre hommage à un grand artiste, un monument de la chanson Amazir en général. c'est qui qui Ouais, minutes, 54 minutes. Mm -hmm. Et il y a du quoi faire, trois quatre documentaires hein. Donc euh, l'un audio l'audio, la vidéo, l'un l'an Sidim le Niger, par exemple Amhawad, donc le poète euh, Amajar, euh, donc Amazir de du Niger. Il y a pas mal de kabyle. C'est des gens qui ont voulu euh, s'exprimer sur ma Mmh. Ceci dit, ça n'a pas été facile parce qu'il y, y a, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens dans des intellectuels des intellectuels qui m'ont dit, par exemple, il y avait un gars qui m'avait dit, mais, mais, mais fou, pourquoi tu fais un truc sur Matuluness Pourquoi Matuluness En fait, il voulait pas que je fasse un documentaire sur Matuluness. Et je lui dis, ben pourquoi pas La question c'est pourquoi pas, pas pourquoi Donc toi, tu me dis pourquoi pas Et il y a une autre personne qui me dit euh... en fait il y a beaucoup de gens qui, qui ont essayé de me, de me dissuader de le faire ils me disent par exemple si tu le fais tu n'auras pas ton visa tu n'auras pas un visa pour aller en Algérie euh, <laughs> par exemple en fin de compte moi je m'en fous de visa je vais le faire point <laughs> l'important c'est de faire quelque chose pour rendre hommage à cet artiste parce que euh, ça fait ça fait 21 22 ans qu'il a, qu a, qu a été assassiné lâchement et jusqu'à aujourd'hui on n'a rien sur lui on a un petit, on a un documentaire de, de, de mon ami Youssef Alami, euh, « la voix d'un peuple, c'est tout. Pourquoi mmh. ne pas s'aventurer sur cette voie-là et faire quelque chose euh, pour permettre à des gens de le rendre hommage mmh. C'est mon idée, c'est mon idée. Donc euh, c'est comme ça que tout ça est né et a pris forme. Euh, ça fait trois ans que je travaille sur ça, donc j'ai commencé à travailler sur ça en, en 2017. Malheureusement, cette période-là, au cours des quatre dernières années, j'avais des problèmes de santé, j'étais hospitalisé à de reprises, donc il fallait du temps pour se reposer. Et le projet a pris, ça a pris beaucoup de temps pour pour aboutir. Mais l'important, c'est qu'il est là, donc ça aboutit, donc il est là.

العبيد بن مهيدي يقوى ثلاث وسن قبل على بوليميك هذه اللي غادي نلقي في كوسا كي سيغ غزات نهضر فاش تاكي نورال لغه اكسيل لغه نتاع أفروي، افرو سيكس وكنتي دواليم ونسالم كي نوي نتكلم في دوليم تاعهم على بلاتفورم تاع غنفهم تيلي دي في ميو كنتي تيلي شارجي ما توالي هذه الحوشي طاح ثاني هي وكي دافروي، سرو اسامو En euh, la bande annonce nous semble A été la voix du peuple. C'est quelqu'un qui naît en vous si vous êtes amazé chaque jour. Il avait cette capacité d'absorber le génie, le génie populaire de la langue chez, chez toutes les personnes qu'il croisait. Il, il propose des idées, des concepts, des projets

euh, Idir, euh, c'est lire de fête, et tout ça, c'est c'est beau, c'est il y a une guitare, c'est jeune, c'est gay, c'est c'est beau quoi, c'est 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 très joyeux, Idir. Mm -hmm. Après il a etmegelet, euh, donc il a il Jamal Alim, même Irsan, euh, comment il s'appelle, Ali Irsan, euh, chenoud, chenouied, chenouied, donc avec la, la célèbre chanson. <laughs> donc il y a, il se il y a c'est normal, quoi. C'est mm. euh, comme si. C est, c est, elle est chez nous, tu vois. mais de, euh, Tu comprends un peu ce que je veux dire. il mm. est, est des nôtres. Donc c'est comme s'il met Roucha, il met Yidir, après il met light Tu lui donné une cassette, tu lui dis Mais est-ce que tu peux mettre cette cassette Il va la mettre. Mmh. Mais moi, ce qui m'a vraiment troublé, c'était Lounès. C'était cette force-là qu'il avait. Et quand il dit, par exemple, Madrasa Sigginekna mousgara » c'est des chansons comme ça derrière l'ambre. ça, c'est terrible. Moi, je, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Mais vraiment, le, euh, il, il est un peu particulier, même dans sa façon de chanter, de présenter les choses. Il est très particulier. Mais l'événement le, le, qui m'a qui m'a vraiment poussé à, à s'intéresser à lui, c'était l'enlèvement le, quand elle a été enlevée. Attends, euh, attends, attends. Ouais, je, euh, je me rappelle très bien de ce jour-là. Donc j'ai vu euh, la une du journal euh, Libération euh, Maroc qui sort au Maroc par la Libération de France. Et j'ai vu le de moto blueness et ils ont mis la pochette de la cassette regard sur un pays d'année sur l'histoire d'un pays d'année c'était la, la pochette là qu'ils ont mis sur le je me rappelle très bien de, de cette couverture là wow. depuis ce jour là je me suis je me suis euh, j'ai commencé à s'intéresser à l'artiste donc à lire euh, en 95 euh, il sort son livre rebelle mm -hmm. et rebelle il est traduit en arabe et publié par fragments dans un journal marocain, wow. tu vois, en, en 95, c'était Abdallah c'est c'est un enseignant de philosophie qui l'avait traduit en arabe et il a publié euh, al-Maghribia" dans, dans un quotidien qui s'appelle "Hadat al-Maghribia". Et nous, on lisait ça, on lisait ça, on découpait tous ces articles-là, on les on les garde. Donc elle a traduit tout le livre, d'ailleurs il est sorti en, en en arabe, une version en arabe, il est sorti au Maroc par la suite, une, de rebelles, hein, une, une, une version en arabe de rebelles. Il y a même une traduction en Tamazight de, de rebelles euh, par un ami qui s'appelle Habifouad, il est de Tinjada aussi, donc il est à la retraite maintenant, c'est lui qui a traduit aussi, euh, il a traduit en Tamazight complètement. Euh, donc il y a un intérêt vraiment manifeste pour le combat de Matou. Mais l'assassinat... Ça a fait réveiller, ça a provoqué le réveil de pas mal de gens donc, qui, ont, qui, ont, qui ont adopté Matoub Lounas, qui euh, ils ont fait de lui un symbole unicorne de leur combat. Donc Matoub, on le trouve partout, dans les universités, des portraits un peu partout, même sur les frontons des maisons. Donc il y a par exemple une, une maison dans mon, dans mon village avec le, le, nom de, euh, avec le, le, le mot Matoub écrit sur, sur un mur, c'est à la vue de tout le monde. Il y a des, par exemple, à l'université de Meknes, à la faculté des sciences, il y a un couloir qui s'appelle couloir Montaublenès. Il y a des portraits partout, même dans les villages les plus reculés de Tafilalt. il y a des portraits de lui que, lors des événements culturels. Un groupe, euh, par exemple, de musique comme Tseg Raoula, il a sorti une chanson et un clip sur Montaublenès pour lui rendre hommage. Il y a un chanteur rifin qui s'appelle Fidja Harifi, donc, qui a sorti une chanson pour lui rendre hommage. Il y a pas mal d'œuvres euh, musicales qui rendent hommage à Matoublenes euh, dans toutes les régions de, de Maroc, hein, dans toutes les régions de Maroc. Il est vraiment respecté, écouté et même mythifié. Donc, c'est un mythe, c'est un mythe, une légende. Hmm. C'est impressionnant. بصح مع قبل <applause> الناس ما تشي <applause> حاجه لي مزيان من المغرب ولا نسميو ليبيا دي ليبيا نسميو تونس زعما كنت ما تخا من زغان سكنا سكنا يدك كي تسلا كي كي دي فيردان ما كخا من سن مع قبل نعطي من غير الناس دراك اكسل مي 78 دي

On était à la fac, on révisait pour le, les examens oraux. Et il y a, a C'est le le... quoi les examens oraux C'est l'oral. C'est pas passé oh. l'oral. Après l'écrit, il y a des examens oraux. Voilà. Donc on préparait. On se préparait aux examens. Et il y a une qui Et il dit Ah, at avons l'unesse. Nous avons l'unesse. C'est la race, c'est Médé 1. Donc il a entendu sur la radio midi 1. Ils ont dit que je était tué. Ben on a posé, on a ramassé nos cahiers et on est parti chez, chez Ahmed là donc chez Taous et on est resté là-bas donc à parler et à essayer de, de se consoler quoi. j'oublierai jamais ce jour-là et le, le lendemain il y avait un rassemblement à Rabat pour rendre hommage à Matoub le jour de l'assassinat c'est le lendemain de l'assassinat il y avait un rassemblement à Rabat pour lui rendre hommage et pour dire non au terrorisme et à, et à la terreur quoi et tu as été, tu as été dans le Non, non, non j'étais à Miknes. Donc j'étais à Miknes et à presque 200 km de Rabat. D'accord. Mais on a des photos de ce rassemblement. On a des photos de ce rassemblement. on fait un a On fait un a un stond, en, qara, donc, euh, c'est un peu le, le stand de Matou. Donc, euh, je t'avais envoyé une photo de ça. Donc, avec son livre rebelle, des affiches, des textes de poèmes, smazers, Strabalist, Francis. En fait, on la met à part, il faut que ce soit, que ce soit visible que soit visible, pour lui rendre hommage, il y a des gens qui viennent s'informer sur son sur matériel, on informe les gens sur l'actualité, sur le, ce qu'il a fait, sur son combat, son œuvre, sa poésie, sa musique. Et comme je t'avais dit, comme on n'avait pas assez de, euh, de matériaux de cassettes et tout ça, il y avait très peu de cassettes. Donc c'était la copie de la copie, de la copie, de la copie, de la copie qui circulait. Donc tout le monde faisait sa copie pour écouter la musique. Et c'était magique ces années-là, c'était magique. C'était triste et, et magique aussi. Hein. C'est un artiste qui nous a unis Donc Kabil, il euh, m'a de Maroc, de, de Libye, de Tunisie. Il a uni à un monde fou. Il a uni un monde fou. Et ça, c'est très beau. C'est vraiment, c'est marquant. C'est marquant. Il y a des événements comme ça qui sont liés à Matouf que je n'oublierai pas. Je ouais. n'oublierai jamais ça. ما لوناس الناس لازم نقول يمزع عشان يقبالي <applause> انا كيف دينا اكسل و تاع في تعوضه و ثاني كي في مي كشما كي سي دي تونس كي كيتعرض لي كيما الناس نصحو راسي تمزي تاع الطياد تاع خام اما دي ليبيا دانيه اما دي فرنسا اما دي جادو وأما دي تريبولي اما دي

Et hier, qui était d'Inaxel, c'était une écran des Mazirans. Axel Roerich Matoub, euh, il a influencé quand même le combat des, des Mazirans du Maroc. Il a, il a apporté sa touche sur le fait il y aura le, le rachin tellement hamelant qu'ils l'ont pris comme un modèle de militantisme du Maroc. Oui, 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 il y a même euh, même euh, on a vu en Zragh le Maroc a ism le nom le Iselwensen. Alors que nous avons euh ou les il n'y a aucun l'UNES chez nous hein. donc, donc là il y, a, il y a des gens qui donnent le prénom l'UNES à leurs enfants. Donc ouais. juste pour pour lui rendre hommage, pour rendre hommage. Donc, et, et, L'influence, on peut pas dire que, je sais pas euh, si je peux dire qu'il a qu y a qu'il a une influence. C'est toute la Kabylie qui a une influence, toute la Kabylie et le combat euh, Kabyle qui a une influence sur sur le mouvement Amazir euh, au Maroc. C'est toute la Kabylie. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, euh, dans, au début des années 90, vers le milieu des années 90, fin des années 90, on recevait on recevait les magazines qui sortaient en Kabylie. Personnellement, je recevais ABC Amazir, donc euh, qui sortait à, à Alger, donc fait par euh, comment il s'appelle? Euh... Euh, Smail, Smail Voilà, Voilà, Mohammed de Smail. Donc et, euh, je le recevais chaque mois dans, dans ma boîte aux lettres alors que j'étais étudiant. On recevait même des communiqués de manifestations du MCB. Et on nous les faxait. <laughs> on recevait des fax de, de communiqués, des portraits de chanteurs, des articles de presse. On recevait tout ça. Même dans, dans la documentation du mouvement Amazir, on trouve une trace, de, une trace de combat kabyle. Par exemple, dans la charte d'Agadir, euh, qui a été publiée en 1990, c'est le premier document euh, qui relate ou qui détaille les revendications du mouvement Amazir au Maroc, on trouve une influence, une grande influence de, de congrès de Yakurun. On trouve, par exemple, c'est l'arabe dialectal comme, euh, comme langue nationale et officielle. On trouve vraiment, on dirait qu'ils ont coupé et collé. Hein <laughs> les mots d'ordre euh, de, de mouvement citoyen en Kabylie, donc le mouvement des arches, pouvoir assassin, les gens les scandaient dans les facultés au Maroc. Mm. En hommage à la Kabylie. Mamiri, de Mamiri, jout Kati Biasin, Fir'aoun, je peux vous assurer qu'ils sont lus plus que les auteurs marocains. Ils sont très présents, ils sont très lus. En fait, comme j'avais écrit dans, dans un article publié par Le Matin, Le Matin d'Algérie, c'était notre revanche face à la répression de la monarchie marocaine contre les berbères. Nous, on brandissait la Kabylie comme comme revanche. On dit, ben, il y a d'autres berbères comme nous, mais qui sont plus avancés que nous. Et ça, ça nous faisait, ça nous faisait, ça nous faisait beaucoup de bien. C'était un exemple pour nous. Donc, on écrit. D'abord, on a repris sa euh, Amrit, pour écrire en latin. C'est donc ce qu'on appelle ça, donc le, la graphie latine. Euh, donc, on a commencé à écrire avec ça, alors qu'auparavant, euh, les associations la plupart des associations amazères écrivaient en, en graphie latine. C'est grâce à la cabillio qu'on a commencé à écrire en, en latin. Donc, avec des, des documents, euh, des, des règles établies par Mahamri euh, euh, avant et après Salm Chaker et, et toutes les autres figures de, de combat amazière. La Kabylie a une grande influence culturelle et politique sur les Amazighs de Maroc. Au cours des années 90, d'ailleurs, c'est ce qui a poussé euh, un porte-parole de, de roi de Maroc à dire qu'il faut décabiliser le combat amazigh au Maroc, parce que les gens commencent à, à, à réfléchir comme les Kabyles. Il a dit, il a dit publiquement, il a dit qu'il faut dicabiliser ce combat. Euh,

qui euh, ça Oui, l'Ircam c'est d'après les statuts. Hein, d'après les statut de l'Ircam, c'est l'Ircam c'est d'abord l'institut royal de la culture amazigh. Donc d'abord dans le titre Ircam, il euh, y a culture amazigh. Tu vois? Ouais. pas langue amazigh. Donc c'est une culture et culture c'est vague, c'est c'est pas précis du tout. culture, c'est très large. C'est très large ouais. comme euh, alors qu'on a euh, Académie Mohamed VI de la langue arabe. Tu vois <laughs> Ça c'est langue, ça c'est culture. Ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, dans, 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 dans les statuts de l'ERCAM, c'est écrit que c'est une organisation consultative. Elle est consultative, donc le roi il lui demande conseil, l'ERCAM il, il lui donne. C'est un institut académique, il fait des recherches sur la Mazirte et tout ça. Donc, ils, font, ils ont fait un, un dictionnaire, ils publient des livres. C'est intéressant ce qu'ils font comme dans, dans ce domaine-là. Mais pour, euh, par exemple, ce qui a créé la polémique, c'est l'usage de new Tifinar ». Donc, c'est est du Tifinar, l'ERCAM l'appelle le new Tifinar ». Donc il y a, ils ont changé au moins 15 lettres. Ils ont inventé des lettres qui ne sont même pas de, dans le tiffinard ancien ni, ni, ni moderne ni rien du tout. Donc ils ont inventé des lettres pour empêcher, moi pour, pour mon, euh, euh, ils ont inventé des lettres, ils ont ajouté des lettres euh, pour, pour faire un nouveau tiffinar. Je crois que euh, d'abord Tiffinar a été euh, a été euh, il, il a été décidé, je crois, en 2013. Je crois que c'était en 2013, euh, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'était en 2013, en 2003, en 2003, <laughs> désolé. Ouais, oui. En 2003, oui, il a été décidé en 2003, peut-être, je crois que c'était en 2003, ou en 2002, que ouais. Tifinagh est la graphie officielle de Tamazight, alors que Tamazight n'est pas encore langue officielle, donc il sera langue officielle en 2011. Donc ouais. on a choisi d'abord une graphie officielle avant que la langue soit officielle. Ouais. Et euh, je crois personnellement que. Euh, le fait d'adopter une graphie, euh, new, la, la, ce que l'ERCAM appelle new, le, la, le New Tifina, était pour but de couper les liens, tous les liens entre euh, les images de, de Maroc et les autres images. Parce que les Kaby, avant ça, on, adoptait, on écrivait avec le Tifina de l'Académie berbère, okay. utilisé aussi en Kabylie. Donc, personnellement, je peux lire une pancarte euh, ou un texte antifinard sans problème. Donc, je lisais des textes dans, dans Abissé Amazir, antifinard, alors qu'il paraissait Alger, sans problème. Mais maintenant, c'est impossible, par exemple, de lire, qu'un lise un texte qui est en antifinard, euh, entre guillemets, marocain, en uti Ça, c'est sur le côté du tifinar, le sifinard. Pour le latin, même le latin est l'homme massacré. Le, tous les livres, par exemple, sortis, publiés par l'ERCAM en graphie latine, ne respectent aucune règle, euh, des règles par exemple établies par l'INALCO, qu'on utilise par exemple on, bah, actuellement, que j'utilise moi pour mes, dans mes romans ou qui sont utilisés un peu partout. On, on se retrouve avec des textes vraiment euh, charcutés qui n'ont aucun sens. Pourquoi Parce qu'il adapte le, tifinar, le, le, le latin au Tifinard. Donc il, il, il met des textes en, tifin, en, 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 en latin pour qu'il y converse par la suite par un logiciel précis en Tifinard. Donc, ils écrivent, ils écrivent. Le latin sans trait, sans, sans aucune règle, et même sans, euh, sans les e. Tu vois, on a des, par exemple, il euh, On on va, va l'écrire sans aucun e, et on n'arrive même pas à le lire. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut appuyer, quand est-ce qu'il faut. <laughs> aller, je le il n'y a rien, il n'y a rien. Mmh. Et c'est vraiment, c'est un massacre. Personnellement, personnellement, je ne peux pas écrire, je ne peux pas lire un texte en, en, en tifina irkam, -er on en latin ircam. -er Mm -hmm. Personnellement, moi qui lis beaucoup de Smazirs, je ne peux pas lire ça parce que ça m'énerve. Sincèrement, hein, pour, être, pour être sincère. Le, n pas le but seul. de lire. Tu n'es pas le seul qui dit ça. Tu pas le seul qui dit ça parce... Je sais, je sais. C'est clair. Et... Quand as, tu as un roman écrit en latin et, et, et tu as un roman écrit en, euh, en Tiffinard, la, la plupart, la majorité, vont aller au latin parce qu'ils ne vont pas passer leur temps normal. à décoder. Parce que euh, pour que le Tiffinard soit une. Le des caractères qui seront vraiment c'est euh, à un niveau très haut, il faut qu'il y ait une volonté politique d'un de, de, État, comme les Israéliens. Quand tu vois les Israéliens, ils ont leur leur à eux, c'est libreux, c'est les caractères qui sont difficiles. Mais comme il y a un solide État qui, qui se donne vraiment à 100% à ça, il n'y a pas de problème. Mais quand, quand le, le, le pouvoir algérien, le régime algérien, le marocain, ils n'ont aucune volonté de promouvoir euh, le Téphénard ou le Tamazère d'une façon générale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de polluer, de semer la confusion et pour que les choses n'avancent pas comme elles sont en train d'avancer avec, avec le caractère latin. Et c'est ça, ça, ça ton point de vue, Axel, c'est ça En fait, c'est des freins. C'est des freins pour empêcher la, la progression. Ouais. Et en réaction à ça, il y a, je peux vous dire que la plupart maintenant des romans, des livres, des recueils de poésie qui sortent là-bas, sont écrits en latin. Sans écrire, on ne l'atteint pas en Tifinar. Parce qu'avec le temps, euh, depuis la création de l'ERCAM, ça fait presque une vingtaine d'années qu'elle a, qu a été mise en place. Depuis la création, on a vu ce que ça a donné. Donc, le, le pouvoir l'a utilisé pour d'abord euh, corrompre, hein, il faut dire les choses comme elles sont, corrompre une certaine élite, entre guillemets, à Mazir. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc, maintenant, l'ERCAM, il, il, a, il a, comment dire, il a, il a massacré le mot à Mazir. Il a tué le mot à Mazir. Donc, tout l'héritage le, 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 de Mohamed Azir, il a été délapidé par l'ERCAM. Par, par, -cam. par okay. exemple, je vous donne un petit exemple, un, juste un petit exemple. L'ERCAM, il, il, il fait chaque année le discours d'Ajdir. En fait, c'est le discours euh, au cours duquel le roi avait dit que Samazir fait partie de notre euh, identité. Mmh. C'est une composante de notre identité. Comment Samazir pourrait être une composante de l'identité marocaine alors que le baroque, il est à mazir? C'est le tronc. Ce pas la branche. Saint-Mazir, c'est le tronc. Ce n'est pas une branche de l'identité marocaine. C'est l'identité marocaine. C'est elle-même. Donc, ce jour-là, elle a fait un discours pour dire euh, quelques mots comme ça, euh, jolis sur mazirs. Là, on fait ça chaque année. On fait ça avec grand pompe pendant 10 prêts aux gens, tranquilles. Mais si on prend un événement majeur, par exemple, qui a marqué l'histoire de Mohamed Mazir, à savoir les arrestations de, de Tilili en 1994, c'est. Euh, euh, en, 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 le 1er mai 1994, il y avait 7 personnes qui ont été arrêtées à, à Goulmima parce qu'elles avaient brandi pour la première fois des banderoles de anti-finard. Donc, ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés à deux ans de prison ferme. Il y avait presque 300 avocats pour les défendre, même des Kabyles, des gens qui sont venus du Kabyle pour le faire, des gens qui sont venus de France pour le faire. C'était un tournant majeur dans la revendication et dans ces terrains mesure au Maroc. Et pourtant, les gens ont développé un, ce que je. J'appelle personnellement un complexe Tileli, un complexe de l'association Tileli, parce que la plupart des membres qui ont été arrêtés étaient de cette association, et personne ne commémore cet événement majeur. Personne! Alors là, on peut commémorer le discours de, de monarque marocain qui dit que Samazir se fait partir de notre identité, aux côtés de l'arabe, de l'hébreu, de l'andalou, de, de je sais pas quoi, même de je sais pas quoi, euh, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent aj ajouter tout ce qu'ils veulent, hein, puisque le, le ridicule ne tue pas. Mais on ne peut pas fêter et commémorer un avènement majeur et, et, et marquant dans l'identité, euh, dans l'histoire de, de Azir, juste parce que ça déplaît au palais, ça déplaît aux autorités. Ça, c'est malheureux. Ça, c'est malheureux. Mmh. Même on en on, on minimisant cet événement, par exemple, j'ai vu des communiqués qui disent euh, euh, les événements de, euh, de, euh, le, lorsque des jeunes de Goliméma, même le mot, les mots qu'ils utilisent, ce n'est pas des militants, c'était des enseignants. Ils les appellent les jeunes. Ça veut dire des inconscients, des gens qui n'ont pas de conscience, euh, ils ne sont pas mûrs, euh, tu vois. C'est un peu le... C'est de neologisme pour dire qu'ils ne sont pas responsables c'est pas un c'est de euh, comment il dit Orwell Georges Orwell c'est de la neuve langue <laughs> c'est de la neuve langue jeune c'est de la neuve langue pour ne pas dire euh, activiste militant on dit jeune voilà pour les irresponsabiliser les infantiliser mm -hmm. c'est un peu ça c'est tout un c'est tout un et l'IRCAM, il a contribué à casser pour, pour revenir à l'IRCAM. il a contribué à casser le moment à au Maroc et à corrompre euh, et à corrompre ses cadres et La monarchie marocaine, elle a utilisé l'Arkan pour ça. Et maintenant que sa mission est presque terminée, donc a, euh, sa mission est, est achevée parce qu'elle a achevé le mot Amazir. L'enseignement de Samazir, si elle ne décolle pas, elle est, elle est restée dans le primaire. Elle n'est même pas généralisée. Euh, Samazir, si elle recule partout dans l'enseignement, le, dans, dans la télé, on a une télévision dans laquelle dit Amazir, mais sous-titrée en arabe. Tout est sous-titré en arabe. Alors que deuxième, les chaînes là, et les autres chaînes, il y a sept chaînes à peu près, il y a aucune qui se titre en Tsamazir. Puisque Tsamazir est sur langue officielle, ben on se titre tout on aussi en mmh. et oh, la, la chaîne à et tout il sous en arabe. Mmh. Tout il sous en arabe. Et bien, va comprendre quelque chose, toi. Ça... Et maintenant, ils, ils vont intégrer l'ERCA parce qu'il était indépendant financièrement, donc il euh, a son, euh, son budget spécial. Maintenant, ils vont le, le mettre. Sur la coupe d'un. Euh, comment ils appellent ça Je crois que c'est le conseiller marocain des langues et cultures. Donc, ils vont le mettre sous la tutelle d'un haut conseil, euh, d'une autre administration. Comme ça, il va être son. Euh, en fait, il ne sera pas autonome. Tu vois, son autonomie, il va la perdre. Et, et c'est eux qui vont lui dicter sa politique. D'accord. Cette fois-ci, par des gens euh, imprégnés de l'idéologie arabo-islamique euh, et tout ce que vous voulez. Hein. Donc. Mmh. Euh, voilà. Donc, et puis, lien axel j'ai remarqué la loi organique euh, euh, qu'a promis le euh, l'IRCAM n'a pas encore, euh, je ne sais pas si elle, elle, est, elle est en cours ou elle a été appliquée ou pas, parce que la loi organique qui consiste à à maseriser tout l'environnement, les plaques signalétiques, les, les cartes d'identité, le, le passeport, tout ça, elle n'est pas encore. Euh, à... Non, Il, il n'est pas encore passé, non, il n'est pas encore passé. En plus, euh, le problème, c'est qu'il y, y a des contradictions énormes. Donc, il y a des contradictions entre le langage, le, ce qu'elle raconte et la réalité. Et c'est une contradiction énorme entre le. Euh, c'est malheureux ce qui se passe là-bas, c'est malheureux, c'est malheureux. En plus, on a un gouvernement islamiste, donc anti-Amazir, anti-Tuskie-Amazir. C'est malheureux, c'est malheureux ce qui se passe. Finalement, finalement il y a beaucoup de ressemblances entre, encore une fois, je le répète, entre Alger et Rabat, entre les deux régimes algériens et marocains. Ben, quand il s'agit de Samazir, ils sont, ils, sont, ils sont sur la même ligne de défense. Hein. C'est la même politique, quoi. Tu as, parlé, ça a tu as parlé de TV8, la télévision mazière marocaine, versus TV4, la télévision mazière algérienne. Oui, ça je... La télévision ouais. algérienne, ils font des génériques en arabe. Parfois, quand ils écrivent en tifine, c'est du bricolage. Quand ils écrivent en latin, c'est du bricolage. Ils ne respectent pas les règles de Mouloud Mahmoud. Et euh, 99%, c'est en arabe. C'est comme si... Euh, donc, alors que tu as dit, les autres chaînes publiques et qui sont à peu près même nombre que le Maroc, 7 ou 8, je ne oui, sais oui, plus. Oui, oui, oui. Il y a à peu près une soixantaine de chaînes, en comprenant privé, et, et qui, 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 mettent, qui diffusent en arabe, alors qu'il n'y a aucune qui essaye de, 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 de faire des programmes en Kabyle, en tamazight. Donc voilà, c'est du bricolage. <laughs> L'académie enfin, à amazigh qui vient de mettre en place le régime d'Alger, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en est va. Le, la transcription n'est pas réglée. Euh, on, trouve, on trouve des écoles à, à, en kabylie en caractère latin, des écoles en chilichewi, les Chili lemozabi en caractère arabe. On trouve des écoles en c'est en caractère tifinagh. Donc euh, toutes ces confusions là, elles sont volontaires pour justement casser le moral, surtout l'enfant. L'enfant quand il trouve en Algérie un manuel scolaire créé en trois caractères, il est dérouté. Oui, c'est oui, oui. fait exprès. Il n'y a, a aucune langue qui est écrite en trois caractères. C'est du jamais Oui, vu. Oui, oui. c'est du jamais, jamais vu. Ouais. D'ailleurs, tu sais, lors de la création de l'ERCAM, euh, je leur ai proposé un livre à, à publier. Donc, c'était celui que j'ai sorti, ça fait deux, trois ans, Im Les Mongeurs de braise. Je leur ai donné ce livre-là pour le, pour le sortir. J'ai toujours une copie chez moi, ici, à la maison. Hein. <laughs> yeah. Et ils me l'ont donné en Tiffinard et en latin. Ils m'ont dit, non, on va le sortir comme ça, en Tiffinard et en latin. Je dis, ce que tu as déjà vu une langue comme ça, un livre dans une autre langue, écrit avec deux graphies différentes Non, non, soit vous le mettez en. Vous le publiez en latin, soit c'est n'est pas la peine. Ils m'ont dit, non, non, on ne peut pas. J'ai dit, allez, au revoir. C'est tout. Ce n'est pas la peine de. de c'est de foutage de gueule, hein. C'est de foutage de gueule. Et ils sont en train de, de nous insulter, de de faire tout ce qu'ils veulent. Et voilà, nous, on est, on est là. À... En fait, ils, ont, ils sont arrivés à charcuter le mouvement Amazir. Tu vois, le, les, les anciens-là, ils ont été tous récupérés. D'ailleurs, pour revenir à l'ERCAM, quand vous avez parlé de la loi organique, l'IRCAM, non, depuis presque cinq ans, il n'a pas de conseil d'administration. Le conseil d'administration, là, de, euh, composé de 40 personnes, ils ne l'ont pas. Il n'a jamais été renouvelé. Et ces gens-là, ils sont nommés par Dahir. Si le roi qui les nomme, ils perçoivent un salaire, un haut salaire, il y a 40. 40. Et ces mêmes 40-là, le jour où ils, ont, ils leur ont demandé pour la graphie pour Écart-Mazir, ils ont voté 100%. Les 40, ils ont dit, on veut le latin. Euh, le recteur de l'époque, il elle a, elle, elle a contacté le roi pour lui dire, voilà donc voilà ce qu'on a décidé. Et le roi, il leur a dit, non, 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 ce sera le tifinard. Eh bien, c'était... Une... Il a été décédé parce que le roi le voulait. Et l'ancien recteur, il est sorti presque une dizaine d'années après pour nous dire, j'étais dans ma voiture à Rabat et il y avait quelqu'un avec une moto, il s'est arrêté à mon niveau, il m'a dit, si vous, si vous, vous utilisez le, 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 le latin pour le euh, ça va finir mal pour vous. Et l'islamiste, ils vont sortir dans la rue, tout ça. Eh ben, les islamistes, ils ont le droit de sortir dans la rue. Et nous, on ne peut pas sortir dans la rue pour leur dire non, nous aussi. Ouais. Et ben, ils ont adopté le, le tifinar du pi. Et là, ils sont en train de chanter le, la chanson de Tiffinar, c'est facile à apprendre, c'est bien, ça fera avancer sa masère, tout ça. Alors que là, on est bloqué. Il faut dire les choses comme elles sont. On est bloqué. Sur tous les nouveaux. Même les plaques qu'ils mettent pour les routes, les ministères et tout ça, si plein de fautes d'orthographe. Parfois ils met mettent même ministre je sais pourquoi ils écrivent, ils, ils, ils écrivent le, le, le texte français anti-finard. Hum. Ils écrivent le texte français anti-finard. Et quand ils réf... parce que quand tu, tu as dit tout à l'heure, ils font passer à travers un logiciel. Donc eux ils sont en faute le logiciel est traduit et traduit décodent lettre par lettre. Donc si le texte est écrit en français ils oui, oui, le mettent. Euh, le, le malheur, c'est que quand une plaque, quand elle n'arrive pas à traduire une plaque, par exemple, il y avait une photo. J'ai une belle collection de ces photos-là, donc de ces, ces, ces images-là. Je, je les ai mis sur un compte Facebook qui s'appelle ici ici Gilles Erkam. Il y a, par exemple, une plaque où c'est écrit Centre du secours Maritime et n'arrivaient pas à savoir quoi mettre. Ils ont mis en bas "Tu dersi ogilid VI". Tu vois, vie longue vie au roi.

هذيك تتعرفي كنا يعني رشقان تو ثلاث نار وي فنا تحكوا لك كي اتشي دبوين كي كي ون يالين يثور هذاك كي لي رومون تو ايكري ان تمازير ا ون يالام زوارو دونك الناس سافغا انت اغرمني ها قرن دونك اغرمني ها قرن سي اغرمني ها قرن Euh, donc pour le mot pour ism c'est je l'ai tiré du référent hein, strefit euh, c'est un parler euh, euh, un dialecte un grand dialecte parlé dans le nord de Maroc c'est un champignon tu vois c'est un champignon qui tue le bétail ou les humains qui, qui le consomment De un ce roman, dans ce roman à je parle de l'autocensure comme un champignon, comme un poison qui tue les journalistes qui, qui s'autocensurent. Mmh. Donc, c'est un roman euh, euh, publié en 2006. C'est le cinquième ou le sixième roman à paraître au Maroc. Mmh. C'est parmi les premiers. Et actuellement, il fait il objet de plusieurs thèses de, de doctorat. Il euh, y a énormément, il y a presque une dizaine d'articles académiques qui sont sortis sur ce sur ce petit roman euh, en Pologne, à Rabat. Même il euh, y a un article publié par l'université, par des universitaires euh, à l'université de de Ismail à Tizi Il y a un article euh, Il y a quatre articles sortis en Pologne, euh, euh, <laughs> en polonais, en anglais, en français et en anglais aussi. Il y a deux articles en anglais et aussi par l'université euh, de Boston. Il est enseigné un peu partout, donc il y a des gens qui, qui le lisent, qui font des articles académiques et tout ça. Euh, C'est un petit roman, mais qui... Euh, D'ailleurs, il y a une traduction en français qui est sortie, et l'éditeur a été obligé de le ramasser parce qu'il m'avait dit que ton livre ne plaît pas au palais. <laughs> donc, ouais, il a été ramassé des, des librairies à rabat et euh, il a été vendu presque, euh, presque une année. Après, à un moment donné, je lui ai donné... Je demandais d'auteur, il m'a dit non, non, on l'a ramassé parce que ça ne plaît pas au palais. Donc, Arumne Haqarn, c'était le premier roman que je sors. Donc, il y a, On est à la deuxième édition. Le deuxième que j'ai publié, c'est une pièce de théâtre avec un ami qui s'appelle Omar Darwish. Donc, euh, Omar Darwish, c'est un poète, c'est l'un des détenus de l'affaire Tileli. Donc, c'est un grand ami. Et on a sorti une pièce de, deux pièces de théâtre, dont c'est Essensul Somme Sommes toujours en vie. C'est deux pièces de théâtre, ma mazurts. Après, il y a le roman Irn lili, des sauvages. C'était C'est une légende chez nous. Il s'appelle Zaidou Ahmed ». Et Zaidou Ahmed, C'est un résistant qui a mené une guerre à tout seul c'est un peu chez hein. vous c'est un peu Mohandou Merichivou donc il a muni une guerre tout seul contre l'armée française et euh, d'ailleurs j'en ai fait un livre par la suite en français donc Ahmad d'après les archives de l'armée française J'ai trouvé là ici au centre historique, au service historique de la défense je trouvais presque 10 000 documents sur lui, rien que sur lui des rapports de l'armée, des... énormément de documents donc je lui ai consacré une fiction donc je l'ai j'ai raconté son histoire mais à partir de la mémoire collective parce que dès qu'on était enfant, les gens ne parlaient de, de Zaid Ahmed, par exemple, quand tu n'arrives pas à dormir, tes parents te disent « Moukour, tu sera des des de Zaid Ahmed, on va appeler Zaid Ahmed si tu ne dors pas. » Et toi, tu es obligé de dormir parce que Zaid Ahmed, c'était la terreur, hein, c'était la terreur des Français, de l'armée française à l'époque. Donc là, j'ai euh, parlé de lui, mais euh, de point de vue de la mémoire collective, ce que les gens parlaient de, euh, disaient de lui, c'est une fiction. Euh, son histoire, la vraie histoire, euh, je l'ai écrite en français par la suite, c'était euh, « D'après les archives de l'armée ». Il y a un autre roman, c'est la deuxième partie, c'est le, le deuxième euh, « euh, Il a été suivi par un deuxième, c'est « Imguragimazian », c'est « Les derniers des hommes libres ». C'est les derniers qui ont pris les armes contre les Français, parce que qu'en 1956, en 56, il y a l'indépendance de Maroc. En fait, on a, comme avait dit Hardan, on a acquis l'indépendance, mais on a perdu la liberté. Tu vois, <laughs> on, <même> est... <laughs> on est indépendant, mais donc il y avait des gens, les derniers qui ont pris des armes pour défendre Supir, pour défendre leur honneur et leur terre. Ils ont été massacrés dans le Rif, de le Sahara, donc euh, avec l'armée de libération nationale marocaine, la branche la plus radicale. Il a été éliminé, complètement éliminé, et la France a cédé le, a cédé le pouvoir aux... à ses alliés, hein comme disait le poète. Euh, euh... Il y avait un poète chez nous qui avait dit. Euh... France, ne te soucie pas si tes enfants que tu as, que tu as élevé, que le pouvoir est revenu. C'est un peu ça. <laughs> me... oui tout à fait. Euh, J'apprécie beaucoup je L'entends souvent. C'est, énorme. C'est comme, comme... malheureusement, le... il n'est pas trop. Euh... Il n'est pas trop présent dans, dans ce qui est ce qu fait maintenant, Donc, euh, ce qui se fait. Donc, le dernier roman, c'est Im Chantirin", Les mangeurs de braise. Il parle de. Euh, le, en fait, c'est le premier roman que j'ai écrit. Hein. C'est le premier roman que j'ai écrit alors que j'étais à la fac. Et c'est maintenant que je l'ai réécrit et édité. Il, parle est, il est inspiré d'une histoire vraie. C'est une autre entreprise royale appartenant au roi de Maroc qui dégage la population d'une vallée. Pour exploiter le, une source d'eau. Donc il y a un monsieur qui revient dans ce village pour mourir. Il trouve que les habitants sont partis. Pourquoi ils sont partis Il est parti à leur recherche. Et il retrouve, euh, il rencontre un jeune qui il a commencé à militer pour la majorité. Il lui raconte son histoire, donc son histoire l'histoire de sa vie comment il a, il a été il a combattu dans les montagnes de l'Atlas contre les Français, comment il a été incorporé dans l'armée française pour se battre en Corse et en Italie lors de la Deuxième Guerre mondiale, et comment il a fini euh, pauvre, sans rien du tout, en train de se battre pour les causes des autres. Il rencontre un jeune militant, c'était vers 1994 lors des arrestations de Tilili. et l'autre, il a pris conscience. Dans son c'était quand il a vu des jeunes se faire arrêter et condamner à deux ans de prison ferme pour avoir brandi, parler leur langue, parler de leur langue. Donc et, et, ces deux générations qui se rencontrent et le vieux, il, il, en fait, il, il passe le témoin à l'autre. Mais le, le problème, c'est que il y a une autre entreprise de roi qui va venir pour dire aux villageois "Attends, on a trouvé de l'or ici, il faut le dégager parce que on va l'exploiter." Et eux, ils n'ont pas le choix que de partir parce que l'autorité est plus et plus terrible et plus forte qu'eux. C'est un peu cette histoire-là que je raconte. Et c'est l'histoire d'imidre C'est l'histoire d'Imidr, C'est un village euh, de chez moi qui a été... Euh, donc, euh, le village, il est, il, est, il, est, il est misérable et en bas, il y a le plus, la plus grande mine d'argent au monde. Et, et il est exploité par une, une entreprise appartenant au roi de Maroc. Wow. Et les gens, ont, sur le, et, ils leur ont volé l'euro et empêché de vivre tranquillement. Ils ont assiché leurs terres et euh, poussé à l'exil. Donc, il euh, y a des gens qui sont morts ici euh, dans, euh, à Ymir pour avoir combattu, pour avoir milité pour leurs droits. Ils veulent que leurs enfants, par exemple, travaillent dans la mine et une bourse pour, pour qu'ils aillent euh, faire des études à Marrakech ou à Meknès ou dans une grande ville universitaire. Et le souci, c'est que la plupart des militants qui étaient là-bas, ils sont maintenant en Europe. Ils étaient obligés de partir. Ils étaient chassés chez eux. Alors que c'est une mine qui est sur, sur euh, une terre, maintenant, leur terre est polluée par le cyanure et, et différents euh, produits chimiques. En fait, j'ai inspiré ce roman-là de, de cette histoire, parce qu'il y avait déjà un assaut contre la mine au début des années 90, où il y avait un mort. Et maintenant, il y a des jeunes condamnés à des peines de prison pour ça, pour avoir milité pour, pour ça. C'est un peu le... C est, c est, c est des...

Ah, monsieur, donc, Goulard Français, donc, il y a la naturalisation, donc, de Rale de Francis. Donc, c'est le dossier, il y le prénom. En fait, j'ai récupéré mon amasérité, hein, donc, <laughs> c'était impossible de changer au Maroc, donc, j'ai changé en France. Euh, j'ai changé, donc, j'ai pris une avocate, ça a pris trois mois. C'est bon, c'est changé. Donc, euh, depuis 2011. Donc je j'ai, et c'est un poireau de Hussein. Il y aura l'issue Amazigh Axel. Tu n'as pas quinze ans. Axel, c'est un truc sur le lien. Tu t'es passé. Donc à qui tu as retrouvé ton Amazighité, c'est ça Oui, j'ai, j'ai reconquis <laughs> mon Amazighité. Donc je l'ai, je l'ai retrouvé. Et malheureusement, en France, machin, il y a le Maroc. Tu vois C'est ça, ça le généré, malheur. Les Marocains vont pas te laisser. <laughs> non, c'est impossible. Ah oui C'est impossible, c'est impossible. Tu va remettre en cause le socle biologique qui est... oui, est... oui, oui, a fait quelqu'un qui est venu et qui a fait ce qu'il Je connais beaucoup de gens et dans le bouddhisme, il y qui viennent demandent demander des ont des amis. Des amis, des amis, des amis. Peut-être que les gens nous connaissent. Ils veulent même le changer eux aussi. J'ai ai aidé beaucoup de gens et ils l'ont changé. J'ai été beaucoup de gens. Je leur ai dit voilà comment faire. Et ça promet pas trop moi. Ça promet pas trop mais c'est bon. Tu reçois ton ton nouveau acte de naissance, tous tous les documents avec ton nouveau prénom. Voilà, <laughs> mais il fallait le faire. Il fallait hein. le faire. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Tu c'est vrai ça

هذا فورات زيرين يتابعوا هذا تسلسل تاكير يتقصوا في اللاس اكسيل هذا تسمى كثير دوينين غان عقبه من النفع ضعاف ذا جنرال ضعاف ناصر ذا سيدي كشمن وكينيا هذا الطفل ثموث النقص اين منقر بالسيف ولكن بالسيف ولقد تحسوا بالليل زاد دي نسيتي ديكونات والو مكيني ترى مازيغا نرى اللي لمازيغا نتوما تا ثم سلمت ثم ترى بالسيف سليبي

Le combat Mazir a tout le temps influencé les autres peuples à le, le, le combat Kabyle a toujours influencé le, le combat des autres peuples à Mazir. A quelqu'un de nous a dit maintenant, Axel Atagara, où il faut que tu aies dit qu'il y a un guerre ou qu'il y a un guerre. C'est un plaisir, hein? plaisir d'intervenir.